Dans son bec, le rameau d'olivier vert, symbolisant à la fois l'Esprit Saint, la paix, l'espérance. Nous sommes très heureux, très joyeux d'accueillir en cet orient de Jérémie le premier franc-maçon de l'obédience à la personne de son sérénissime grand-maître de l'ordre haïtien. Le frère Yves Benoît Jean-Marie. Comme l'usage le veut, nous tenons à vous souhaiter, ainsi qu'aux membres de votre délégation, la plus cordiale bienvenue au district maçonnique de la Grand'Anse. Bienvenue à la respectable loge de la Union des Cœurs numéro 3 au Yard de Jérémie. Dois-je vous dire tout de suite, c'est une signe grand-mère que vous êtes chez vous, car la loge est vôtre. Cette deuxième visite en tant que grand-mère de l'ordre vous assure à vous caractériser comme un réformateur libre, enthousiaste dans vos actions, soucieux des valeurs authentiques, et accueillant tout à la fois, vous êtes déjà révélé comme un vrai disciple du Maître crucifié. Votre présence, sérénissime grand-mère, présage que vos visites à travers l'obédience confirment une tradition. En ce temps où toutes les institutions haïtiennes sont mises en doute dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes, tant dans les autres secteurs de développement, l'institution maçonnique tient bon. Non pas selon les traditions périmées, mais à la perspective des changements à venir. Donc, je vous remets le maillet. Permettez, au nom de l'atelier, de vous remercier d'être présent aujourd'hui et de partager la joie qui nous anime tous. Tels sont les moments qui permettent une cohésion et un échange au sein de la franc-maçonnerie. En privilégiant les rapports fraternels et amicaux. Ces occasions sont très rares, mais en se produisant, elles sont le ciment de nos relations. Ce qui nous met en droit de dire que chacun des frères est porteur de lumière et d'espoir pour tous ceux qui nous observent dans nos actes. Chers frères venant du Grand Orient d'Haïti, la réunion des cœurs numéro 3 de Jérémie est en fait. Car voici que nous sommes demeurés ensemble et nous avons exalté d'une voix unanime à la gloire du grand chef de l'univers. C'est avec honneur et avec fierté, en ma qualité de grand maître du grand Orient d'Haïti 1824,
je suis avec vous ce matin pour renforcer la fraternité et vous prouver que nous tous ensemble, nous devons faire de cette fraternité non pas un simple mot, mais une fraternité dans l'action. La dernière fois que j'étais ici, à cette respectable loge, j'étais venu chercher votre support pour marcher vers la réunification du 21 d'Haïti 1824. J'ai eu ce support de vous, mes frères, et c'est ce support donné par chaque loge, par chaque atelier, qui nous a donné la force et la volonté nécessaire pour réaliser la réunification, pour concrétiser avec vous et pour vous dire que j'ai accompli le travail que vous m'aviez confié. Cela n'a pas été facile, mais j'en profite pour vous dire que les sacrifices qui ont été nécessaires à cette réalisation ont été consentis non pas uniquement par moi, mais aussi et surtout par le sérénissime de maître passé André Jean-Gilles, à qui je présente un satisfecit ce matin. Bien aimés frères, je vous demanderai de vous mettre debout pour applaudir le sérénissime de maître passé André Jean-Gilles. De parler de réunification. Nous devons marcher sur autre chose. Il y a encore beaucoup de travail à faire et je suis encore prêt à consentir d'autres sacrifices si c'est nécessaire. Je viens de suivre les propos du vénérable maître, ainsi que les propos du frère orateur. J'ai pris note de certaines préoccupations légitimes. Mais cependant, bien évidemment, je dois vous dire aussi que nous vivons en fraternité et c'est quand nous prenons ensemble la décision de faire de cette fraternité une fraternité agissante, c'est à ce moment, mes bien-aimés frères, que nous trouverons tout ce qu'il nous faudra pour réaliser l'œuvre. Car c'est une œuvre royale. Nous devons avoir ce qui est nécessaire pour le réaliser. Cependant, il faudrait aussi que chacun de nous, que nous puissions consentir les sacrifices et les efforts nécessaires pour que cette fraternité soit vraiment une fraternité d'action. Nous devons travailler pour rester réguliers. Et la régularité, elle commence par le paiement de la quotité jusqu'au comportement social que nous devons de tout ce que nous disons, pensons et faisons. Mes bien-aimés frères, puisque je vous présente le conseil, je sais que notre bien-aimé frère Georges peut-être aimerait s'adresser un moment à l'atelier. C'est le moment pour lui de le faire. Merci, plus vénérable grand maître, de m'accorder cette opportunité inattendue et inespérée de prendre la parole en cette sacrée, dans cette digne et respectable loge de la réunion des cœurs numéro 3, ma mère loge. Membre dignitaire de la délégation
vénérable maître de la loge, mes frères, l'aide de Blonne en vos gars de qualité. Comme vous voyez, je transpire à cause de l'intensité de la chaleur. Mais je transpire de joie, de privilège, de bonheur d'être avec vous, mes frères, d'abord et avant tout. Vous avez entendu le mot fraternité répété souvent dans les propos du vénérable grand maître. Je pense que l'on ne saurait se passer de le répéter à chaque fois. Et ça, ma première joie d'être parmi mes frères. Et en même temps, d'être dans ma ville natale que je n'ai pas revue, ça fait 36 ans passés. Mais ce qui me touche particulièrement, c'est de voir un visage qui a été pour moi un frère avant même d'être de la franc-maçonnerie, un mentor ici présent à la présence du bien-aimé frère Harry Clermont. En citant son nom, je vous souviens là. Comme d'autres jeunes que j'ai rencontrés durant mon court séjour m'ont dit, mais Georges, on se souvient de toi. Il semble que j'étais un modèle, heureusement un modèle à suivre dans les bonnes choses, comme Harry Clermont l'a été pour moi. Donc vous ne sauriez imaginer ce qui traverse mes entrailles. Non pas d'être ici à l'Orient parmi les dignitaires, mais d'être ici avec mes frères de la franc-maçonnerie et dans le sein de ma mère loge. Yeah.